Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre hebdomadaire de l'économie, cet écho. Il mobilise un peu plus de 600 milliards de francs CFA chaque année pour assouvir la soif des Camerounais. L'alcool représente ainsi environ un huitième du budget de l'État du Cameroun, mais son impact est encore plus important au regard de ses conséquences sur la vie des personnes, des entreprises et même de l'État. Cet écho cette semaine met en lumière l'économie de l'alcool au Cameroun, entre ombre et lumière, et vous entraîne dans les souterrains d'un secteur économique qui impacte sur la marche du pays. Alcool, ce que ça coûte, c'est le thème de cette édition, de cet écho. L'alcool représente à peu près 30 milliards de dépenses d'importation au Cameroun depuis 2015, une somme qui vient s'ajouter aux 500 milliards de francs CFA que font annuellement les deux grandes brasseries locales et les producteurs artisanaux dont les chiffres ne sont peu connus. C'est une chaîne intégrée depuis la production jusqu'à la consommation qui fait vivre des centaines de milliers de familles au Cameroun et alimente le budget de l'État. Cet écho cette semaine vous entraîne dans l'univers trouble du monde de l'alcool, un monde qui enrichit certains et en appauvrit d'autres. Consommation d'alcool au Cameroun entre business et déchéances socio-économiques, c'est le premier reportage de votre émission que signe Ruth Alice Nti. C'est ici l'un des points de départ de nombreuses cargaisons de bière qui alimentent les bars des quartiers et des villages du Cameroun. Nous sommes ici à l'esplanade arrière de l'une des plus grosses entreprises brassicoles du Cameroun, une filiale française du groupe Castel, qui représente à elle seule 80% du marché de la bière au Cameroun. Les camions chargent, ici, jour et nuit. Les queues ne désemplissent pas. Les transporteurs qui partent d'ici alimentent trois grandes régions du Cameroun. Ma ligne principale, c'est Ezeka. Et on a environ 50 camions qui font le transport de marchandises dans les différents points, disons Bétois, Ezeka, Samelima, Ebolova, Bafia, Sa, Bandjok. Voilà, il faut voir que ça dessert le centre, le sud et l'est. En moyenne, chaque camion peut transporter trois fois par semaine. En ce moment de crise, quoi. Et après, quand il y a la densité, chaque camion peut faire en moyenne 5 à 6 voyages par semaine. C'est au total entre 1320 et 1430 casiers qui embarquent quotidiennement sur ces camions. En 2019, l'entreprise avait pour un peu plus de 345 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires pour 465 millions 500 litres de bière vendus sur le territoire camerounais. En une semaine, je peux boire une à deux. C'est ce rythme-là que j'adopte tout le temps. Avant, quand la session était bonne, par jour, hebdomadaire, je pouvais avoir dans le 1 500 000. Quand je fais un effort par semaine, je peux avoir dans le 1 100 000, 1 200 000. Un montant colossal qui vient s'ajouter aux 20% de parts de marché restant et qui représente l'activité de deux grosses brasseries locales. L'économie de la bière au Cameroun a généré ces 50 dernières années plus de 30 000 emplois directs et près de 300 000 emplois indirects. Mais elle n'est pas la seule pourvoyeuse d'alcool. Il y a à côté d'elle des distilleries artisanales qui produisent ce qu'on appelle au Cameroun odontol et bilibili, un type d'alcool fort, non répertorié, dont certains raffolent pourtant. Nous buvons parce qu'on n'a pas de moyens. On souffre. Le sambouka, c'est 50 francs. La bière coûte 600 francs. Oui, je fous la poubelle actuellement pour boire le sambouka de 50 francs. Quand tu bois, mais tu es en joie. Tu n'as pas le sang, tu bois là. Tu as le souci, même tu bois, tu oublies d'avoir ton souci. 100 francs, tu n'as pas le problème. Je ne buvais même pas le vin. Bon, comme j'ai trop de problèmes, je préfère venir prendre ça pour oublier ces problèmes-là un peu. Si
si on vous demande de mourir. Le moyen de boire, peut-être, ce qui est contrôlé. Je ne veux pas venir là où c'est non contrôlé. Le vin de palme et vin de raffia, issus de la cueillette traditionnelle, ne sont pas en reste. Des buvettes à ciel ouvert, appelées salobars, se sont multipliées dans les villes et les villages pour les adeptes de ce type d'alcool. Cas pratique, ici, au lieu dit Carrefour Perroquet, c'est au quartier Mokolo, à Yaoundé. À l'est, on boit le vin du village qu'on appelle Mungbangbang. On boit le vin qu'on appelle Matango. On boit le vin qu'on appelle Rafia. On est ici en train de boire un peu du matango, mélangé avec de l'eau et un peu de sucre. On dit tous les jours, c'est pas bon. Mais comment? On n'a rien. Oh! Quel de quel? Quel de quel? On est là. On est là. Malgré ces importantes sommes d'argent qui chaque année vont à la production des bières et des alcools locaux, le Cameroun importe encore plus de 30 milliards de francs CFA d'alcool chaque année depuis 2015. Des vins, des spiritueux, du champagne. Le vin que nous consommons nous est d'origine tridimensionnelle. Premièrement, il y a la boisson de consommation locale et de production locale. Ça veut dire que c'est une boisson fabriquée au Cameroun par des structures brassicoles modernes et des structures brassicoles traditionnelles. Et à côté de ça, nous avons des boissons qui nous sont importées. Nous constatons que à près de 30%, les boissons que nous consommons au Cameroun, particulièrement à Douala, sont frelatées. Le volume de ces importations a fait classer le pays par l'OMS au rang de deuxième plus grand consommateur d'alcool en Afrique, au sud du Sahara. Un classement remis en cause par certains qui estiment que l'OMS n'a pas pris en compte les importations de la contrebande qui n'entre pas dans la comptabilité officielle. En attendant que ce soit clarifié, les véritables chiffres sur les alcools au Cameroun, le marché, lui, se porte bien et très bien même. Loin de la casse économique à proprement dite, la consommation abusive d'alcool marque de manière indélébile certains adeptes de Bacchus. Outre les accidents de la route, de nombreuses autres maladies directement liées à l'abus de la consommation d'alcool engloutissent chaque année une part importante du budget de la santé publique, celle que l'État est obligé de prendre en charge pour sauver des vies. À une échelle plus réduite, les familles aussi en payent le prix. L'alcool coûte, ou plutôt, l'abus de consommation d'alcool coûte cher à l'économie nationale. Au-delà de l'ivresse, c'est le titre du deuxième reportage de cet écho, celui que signe Joseph René Tchokou. C'est ça, la psychologie qui habite de nombreux consommateurs d'alcool. Au Cameroun, ils sont légion, ceux-là qui ont offert leur vie à Bacchus, le dieu de l'alcool. Pourtant, l'alcool est à l'origine de nombreux maux dont souffre la société camerounaise. Il coûte par ailleurs une part importante du budget de l'État consacré aux soins de santé. Selon la communauté économique africaine réunie à Addis Abeba en Éthiopie, le 6 mai 2019, les routes du Cameroun ont fait plus de 8000 morts en 2019 dans le cadre de plus de 22 000 accidents et généré tous azimuts près de 700 milliards de francs CFA pour les prises en charge diverses, soit environ 5% du produit intérieur brut du pays. Les derniers chiffres compilés au niveau de notre organisation
enregistré 1872 morts en 2017. Et sur les 1872 morts, nous avons environ une trentaine, 30% d'accidents liés à la consommation d'alcool. C'est à fait environ 561 personnes qui décèdent de suite des accidents, sans compter les centaines de blessés qui en résultent. Donc, c'est un lourd facteur parce que la consommation d'alcool est la deuxième cause de mortalité routière de mortalité routière après la vitesse. La plupart des victimes sont des membres de la famille économiquement actifs, soit en tant que conducteur, soit en tant que passager. Et cela prive les familles des ressources pour leur développement. Et nous n'allons pas oublier qu'à l'issue de la perte d'un membre de la famille, nous enregistrons des orphelins. La famille perd un véritable soutien financier. Nous allons trouver donc des membres de la famille qui vont arrêter d'aller à l'école ou ceux qui vont purement et simplement embrasser la misère parce que nous avons enregistré une perte en vie humaine. Et en termes de finances, la Banque mondiale évalue ça à 20 années de salaire perdu. 14e cause de mortalité en Afrique selon l'Organisation mondiale de la santé en 2018, les conséquences des accidents de la route du fait de l'alcool sont lourdes pour l'économie. Nous en réduisons un impact qui va jusqu'à la perte des outils de production. Il y a quelques années, il y a des entreprises de transport qui ont purement et simplement disparu à la suite d'un accident de la route. Et cette perte se décline aussi en termes de démolition des infrastructures, c'est-à-dire que les glissières de sécurité, les panneaux de signalisation et même les habitations. Et nous évaluons aussi cette perte en termes de perte de coût de production, parce que quand vous perdez un véhicule de transport, quand vous perdez un véhicule de travail, c'est un manque à gagner important. Et sur le plan toujours économique, les entreprises utilisent souvent des véhicules personnels à titre professionnel, c'est-à-dire que les conducteurs ne sont pas seulement les chauffeurs de l'entreprise, mais c'est aussi des hauts cadres qui vont en mission et qui perdent leur vie. Et c'est des investissements énormes en termes de ressources humaines qui sont perdus. Nous n'allons pas passer aussi sous silence la notoriété des entreprises qui, à la suite d'un accident, perdent des parts de marché en termes de notoriété parce que les consommateurs estiment que l'entreprise ne prend pas à cœur les questions de sécurité. Il s'appelle Monsieur A. Il travaille dans une grosse entreprise de Yaoundé. L'alcool a failli détruire sa vie. Son témoignage est semblable à celui de nombreux autres Camerounais devenus au fil des années des esclaves de l'alcool. L'alcool, je l'ai exagéré dans la mesure où non seulement je prenais de la bière, la 33, les musiques, tout ce que vous connaissez comme alcool, j'en prenais. Mais ma santé était vraiment menacée. Je me suis rendu compte que je n'avais plus de contrôle. Pas d'appétit, ça affectait même jusqu'à mon ménage. Au point où même mon salaire était tellement touché. Au point où si je me retrouvais peut-être avec 50 000 francs à la fin du mois, je ne parvenais pas à résoudre le problème de santé à la maison, de nourriture et tout ce que cela comportait, et logement. Beaucoup plus d'enfants copient ce qui est mauvais, hein, très vite. Tu vas te mettre à raconter n'importe quoi et puis tu es ridicule, même au milieu des gens, ta personnalité, ça disparaît. Donc, voilà les effets d'alcool, à ce que je sache. Tu ne réfléchis plus bien. Un risque énorme qui pèse sur les jeunes d'aujourd'hui pour qui l'alcool devient chaque jour un exutoire pour noyer leurs soucis. J'avais une famille un peu hors du commun par rapport aux autres, par rapport à l'alcool quand même, c'est aussi ça. C'est ça qui m'a poussé à aller dehors, à faire du n'importe quoi. Comme vous voyez, je me suis même tatoué et tout. Après, c'est le regret. Et moi-même, je me suis plongé dans l'alcool après. Et actuellement, si je ne peux pas dire que ça donne vraiment, mais parfois, juste pour me noyer de mes soucis, je me mets à boire. Mon père, même qui a disparu, depuis, il buvait de l'alcool, il a commencé à péter les plombs.
Et ça m'a un peu démoralisée en fait. Mon papa qui bagarrait souvent avec sa femme, il bagarrait souvent avec ses frères et consorts. Chaque jour, il y avait tous les bagarres, et les coups de machette, chacun se paye. C'était un peu traumatisant. Parce que ça, en fait, ça a traumatisé mes enfants. Moi-même, actuellement, je suis traumatisée par ça. Jusqu'à ce que j'aime encore les séquelles de ça sur moi. Si rien n'est fait, l'alcoolisme est en passe de devenir un véritable fléau social au Cameroun, un obstacle au développement du pays, étant donné les chiffres de prise en charge exorbitants qu'il génère. Coût de traitement élevé, importantes conséquences sur les familles, les charges médicales du fait de l'abus de consommation d'alcool pèsent sur les budgets au Cameroun. Les hôpitaux en sont très souvent le théâtre des opérations. Ils accueillent les accidentés, les morts et les malades. C'est là-bas qu'on peut le mieux évaluer le coût de l'alcool sur la vie des individus. Démonstration dans cet entretien avec le docteur Louis-Jos Bitang, c'est le directeur des centres des urgences de Yaoundé. Merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous. Merci. Pour évoquer avec vous la question de la consommation de l'alcool, vous êtes dans une structure d'urgence et vous savez mieux que n'importe qui d'autre les urgences qu'on peut recevoir ici en termes d'impact de la consommation d'alcool sur les individus. Vous savez que l'alcool a un impact négatif sur le système nerveux central. Vous perdez la vigilance, vous perdez la concentration, vous somnolez et tout ce critère font en ce que vous ne maîtrisez plus votre véhicule. Dans les malades qui arrivent ici, lorsqu'on a fait une étude ici en 2017-2018, nous avons constaté que 60% des patients que nous recevons au Curie sont des accidents à voie publique. Maintenant, les causes parmi ces accidents dus à l'éthylisme sont plus importantes. Et ça, c'est un travail qu'on a fait avec la sécurité, pour dire que les éthyliques, l'alcool a un impact négatif et important sur la survie des accidents à voie publique. Important en termes de qualité des blessures que vous recevez ou en termes de coûts des soins que vous devez administrer? En termes de tout, en gros. En termes de type de lésion que nous recevons. Et puis en termes de coût. Vous savez que le coût de la prise en charge est proportionnel aux lésions que présente le patient. Un patient qui arrive à se rentrer à la voie publique, qui arrive avec dans un contexte polytraumatisé de la voie publique, c'est un gros malade. Gros malade en termes de lésions et gros malade en termes de coût. Quand il dit gros malade en termes de lésions, c'est que c'est un polytraume qui présente un traumatisme crânien ou crânien encéphalique sévère, qui présente un traumatisme fermé du thorax, qui présente une contusion abdominale et qui présente enfin des lésions osseuses à type de fracture, c'est un gros malade. C'est un polytraumatisé. Et ce malade doit être pris en charge sur le plan global. Il faut un neurochirurgien qui va drainer son hématome extradural. Il faut un chirurgien thoracique qui va venir drainer ses hématomes intrathoraciques. Il faut un chirurgien digestif qui va enlever sa rate qui saigne. Et il faut enfin un chirurgien orthopédique pour venir fixer ses os. Et ce n'est pas fini. Ça ne s'arrête pas là. Il faut l'envoyer en réanimation. Parce que lorsque vous avez fini d'opérer, il faut qu'il se réveille. Et là commence le gros de problème. La surveillance post-opératoire pose un gros problème, mais ça demande beaucoup de moyens. C'est un patient qui fait un, voire deux mois sous oxygène. Sous oxygène à haut débit, qu'il faut maintenir endormi, le fait de se réveiller. Donc les coûts sont assez énormes. L'examen clé, l'examen roi, pour faire un bilan lésionnel à l'heure actuelle, dans le contexte camerounais, c'est le scanner. Et vous êtes obligé de faire un total body scan et un scanner corps entier pour qu'il te fasse le bilan des lésions. Scanner de la tête, scanner de la face, scanner du thorax, le scanner de tout le corps. Et ça coûte excessivement cher. Ça veut dire que sur le plan coût, en termes du réel, du numéraire, ça coûte. Sur le plan lésionnel, ça a pris. Ça mobilise tout le monde. Ça mobilise le personnel médical, ça mobilise la famille,
tomber sur moi et à la fin, il est difficile de prendre actuellement en charge ces réparations. Et si on vous demandait d'évaluer en termes de coût, qu'est-ce que ça peut représenter? Un malade qui souffre de toutes ces pathologies, pathologies osseuses, traumatisme crânien? Alors, si j'évalue un peu, vous savez, le curie a cette mission assez particulière et que nous tenons à rappeler ici. L'émission du curie, c'est la prise en charge inconditionnelle des malades urgents, des malades graves. Il y a des malades qui arrivent dans un état grave, il faut le prendre en charge. Il ne faut pas s'embarrasser des procédures. Et c'est ça qui pose problème au curie aujourd'hui, parce que lorsque ce coût est élevé, le malade qui paie assez fin ne peut pas se venir assez bon. Pour quelqu'un qui l'aide, il faut un tiers payant. Alors, combien ça coûte? Je ne peux pas dire exactement combien ça coûte, mais ça coûte cher. Le scanner corps entier, moyen. Le scanner corps entier, si un scanner coûte 65 000 francs et que le corps entier c'est environ 400 scanners, vous avez fait ça 300 000 francs de scanner, seulement le scanner. Et quand vous mettez le bilan biologique préopératoire, les médicaments pour l'opérer, les implants pour fixer ses os, les abords chirurgicaux au niveau de sa tête, tout ça mis ensemble, vous êtes dans les 1 million, 8-2 millions de prise en charge. Et maintenant, il faut le mettre dans un sac de réanimation où il faut l'hospitaliser, il faut le prendre en charge, il faut l'oxygéner, il faut l'antibiothérapie, l'anticoagulation. C'est des coûts énormes. C'est des coûts énormes. Dans l'hôpital, amortir le choc parce que c'est très difficile. Et le malade aussi devra amortir le choc en apportant sa contribution. C'est pourquoi nous souhaitons que tous les patients puissent avoir une prise en charge. Avec qui ont souci pour une assurance qui peut vous aider lorsque vous êtes dans un contexte assez grave. Mais lorsqu'il faut payer à ses frères, vous connaissez, personne. Personne ne peut se prendre en charge lorsque vous avez des soucis de santé assez graves. Il faut que quelqu'un vous appuie et c'est pourquoi l'État accompagne le curie pour amortir les chocs. Et maintenant, il faut aussi que les gens contribuent, que les gens participent à leur prise en charge. Il faut faire la balance des choses, cette difficulté, nous essayons de trouver l'équilibre pour que les malades n'en souffrent pas beaucoup. Vous savez, l'oxygène, ailleurs, j'ai vu dans les réseaux sociaux, l'oxygène, on paye l'oxygène 8 000 francs l'heure. Au curie, c'est un forfait de 5 000 francs pendant tout votre séjour. Tout le séjour. Soit intensif, peu préparatoire, c'est 5 000 francs. Et ça pose problème. Et même à ce prix, beaucoup ne payent pas. Donc ça veut dire qu'il faut des contributions de part et d'autre. Et je pense que si on sensibilise bien, que les gens évitent les causes évitables d'accidents dans le public, la consommation d'alcool, on va réduire de manière significative les accidents dans le public. Là, c'est pour ce qui est des accidents liés à la consommation d'alcool. Mais il y a d'autres pathologies qui touchent à la détérioration des organes, du corps humain, et qui sont également dues. Bien entendu. Je parle de l'alcool dans un volet accidentogène. Qu'est-ce que ça peut causer comme problème pour un chauffeur qui ne s'en prive pas? En dehors de ça, maintenant, l'alcool, lorsqu'on le consomme, l'organisme subit des lésions à court, à moyen et à long terme. Donc, j'entends les gens dire que l'alcool est important pour l'organisme, pour le métabolisme. C'est faux. L'alcool, quelle que soit la quantité, a des effets néfastes. Et il y a des cancers qu'on appelle des cancers alcoolo-induits. Et il y a les cancers que l'alcool lui-même induit. Et c'est les cancers de la sphère ORL, par exemple, les cancers de la bouche, les cancers de pharynx, neuropharynx, les cancers du tube digestif, l'œsophage, qui sont des cancers de mauvais pronostic, sont des cancers dus à la consommation excessive d'alcool. Il ne faut pas oublier les cancers de l'estomac et du pancréas, qui sont des cancers retrouvés chez des patients éthyliques. Et là, il faut faire attention. Il ne parle pas du poumon non plus. Avec le poumon, on parle beaucoup plus du tabac que de l'alcool. Mais l'alcool a des impacts assez sévères. Le cancer du foie aujourd'hui, en dehors de l'hépatite virale, c'est le cancer, c'est la cirrhose éthylique. Et la cirrhose, c'est la lésion primaire du cancer. Dès que vous avez bu beaucoup d'alcool, l'alcool détruit votre foie, le foie devient cirrhotique. Et c'est sur ce foie que vient se greffer le cancer. Donc, c'est des pathologies assez difficiles à prendre en charge dans notre contexte, mais qui peuvent être évitées. Pathologies évitables. Éviter de boire l'alcool, éviter de s'intoxiquer pour ne pas arriver en bout de chef. Parce que lorsque vous avez dans le cancer déclaré, on ne dit pas le parcours d'un cancer au Cameroun.
en termes de coûts, en termes de prise en charge. Une petite idée pour ceux qui nous suivent en termes de coûts. Ils savent à quoi ils s'exposent. Ce n'est pas des protocoles. Vous savez, la chimiothérapie, c'est des protocoles. Il faut faire la chimiothérapie, il faut faire la radiothérapie, il faut faire la chirurgie. C'est toute cette thérapie combinée que le cancéreux doit subir. Et ça coûte assez cher dans le contexte. Les médicaments coûtent cher, parfois il faut les importer. La radiothérapie, il faut aller à Douala faire des séances de radiothérapie et non ailleurs. La chimiothérapie, les médicaments coûtent cher à d'autres faits qui sont là. Donc, c'est des coûts extrêmement élevés. Il ne faut pas y arriver. Et le coût social, on peut également l'évaluer? Ah oui, le coût social. Vous le voyez comment ici? Ces gens qui arrivent, qui sont des malades du fait de l'excès d'alcoolisme, ça s'impacte comment sur leur famille que vous voyez défiler ici? La finalité, c'est la famille qui en souffre. Hein. La vie communautaire africaine fait que tout le monde est autour de lui. Tout le monde arrive en même temps. Il y en a ceux qui viennent contribuer pour le médicament, il y en a ceux qui viennent avec la nourriture, il y en a ceux qui viennent assister sur le plan psychologique. Et toute la famille mobilisée autour de ce patient. Mais ça peut prendre du temps. Donc ça empêche que ceux qui se débrouillaient, qui sont dans l'informel, puissent continuer à se débrouiller. Ça empêche que ceux qui pouvaient vaquer à d'autres occupations génératrices de revenus puissent s'arrêter parce que celui-là est là, juste parce que celui-là consomme extrêmement d'alcool. Le coût social est assez énorme. Je ne peux pas l'évaluer en termes de coût, mais lorsque je vois la mobilisation autour du patient, j'imagine ce que ça peut faire dans nos familles et dans beaucoup de familles qui ont des malades ici au hôpital. Et vous vous dites, on aurait pu éviter ça. On peut éviter. C'est les pathologies évitables. Que c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de ces pathologies. Ce n'est pas les pathologies organiques. L'hypertension artérielle, le vieillissement, ça, c'est naturel. Le diabète, c'est une prédisposition naturelle. Les autres pathologies, hépatite virale, c'est des infections. Alors, mais lorsque vous venez voir les pathologies dues à l'alcool, nous consommons, sachant bien que, à la fin du processus, nous allons présenter des pathologies. Alors pourquoi ne pas éviter d'y arriver? Que l'alcool en lui-même ne résout pas vos problèmes. Certains pensent qu'ils noient leurs soucis dans l'alcool. Mais plutôt l'alcool noie leur vie. Parce qu'après, lorsque je prends conscience, quand je sens dans l'euphorie d'avoir bu l'alcool, ils sont contents d'avoir consommé l'alcool, lorsqu'ils auront digéré et qu'ils reprennent conscience, l'alcool aura créé des gaffes dans leur corps. Et ça ne noie aujourd'hui aucun problème. Les problèmes existentialistes vont continuer. Ils vont continuer à vivre comme s'ils n'avaient pas vu. Mais par contre, ils auront gardé les séquelles qui sont peut-être à vie et qui peuvent coûter la vie. Merci. Merci, docteur, pour votre disponibilité. C'était le docteur Louis Josbitan, le directeur du centre des urgences de Yaoundé, qui a bien voulu nous ouvrir les portes de son hôpital pour évoquer avec lui les conséquences visibles et négative de l'alcool ici dans cet hôpital qu'il dirige demain de maître. Merci docteur. Merci beaucoup, je vous remercie d'être venu. Et c'est ici que prend fin cette édition de cet écho. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition de votre magazine. En attendant, portez-vous bien. Mon équipe et moi-même vous souhaitent une bonne fin de semaine.